Salut! In today's video, we are going to interview Julie, who is a French military wife, and we're going to hear about her experience. Salut! My name is Rochelle DeMeo, your native French instructor from Belleteer Academy, and I have the pleasure today of being with Julie Barker! Alors Julie, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu pourrais nous dire, tu es française, c'est ça? Je suis française, je suis de la banlieue parisienne à Neuilly-sur-Seine et je suis arrivée aux États-Unis il y a 7 ans. Super, alors peut-être partage-nous un petit peu ton expérience en tant que femme militaire. Alors, actuellement, je vous appelle de Guam, où mon mari a été envoyé en mission pour 2 ans. Donc, ce qui est génial avec être femme militaire, c'est de pouvoir voyager partout dans le monde, de suivre mon mari dans différents états, différents pays. Mais ça veut aussi dire que nous déménageons tous les 2 ans, que nous vivons dans les cartons avec mon fils de 4 ans. Et c'est quelque chose d'unique. Je le recommande pas à tout le monde, puisque c'est quand même très difficile de trouver une carrière, de trouver sa voie, puisqu'il faut être là pour son mari aussi, et qu'il faut subir tous les sacrifices quand mon mari part, qu'on ne le voit pas pendant des mois. Mais c'est aussi plein d'aventures, et je pense que mon fils en gagnera beaucoup en grandissant. Génial. Alors, Julie, quelles ont été des choses qui ont été peut-être difficiles pour toi en tant que femme française, mariée du coup à un militaire américain? Ouais, tout d'abord, c'est d'apprendre les codes éthiques, parce que c'est vrai qu'on rentre dans le service militaire, même si on n'est que femme, il faut apprendre les codes entre les différentes personnes, les différents grades, savoir comment se comporter, savoir comment partager les informations, car il y a des informations secrètes qu'on doit garder dans la famille et qu'on ne peut pas partager avec d'autres. C'est aussi une chose difficile pour moi, dans le sens où j'ai toujours travaillé et que là, il a fallu que je trouve une profession qui puisse me suivre partout où je vais. Donc, heureusement, j'ai réussi à devenir freelance dans le marketing pour l'immobilier. Mon équipe travaille à San Diego avec Compass et je continue en fait à travailler avec eux via Zoom et ça se passe bien, mais c'est juste c'est une adaptation à chaque fois partout où on va et il faut que je ne m'oublie pas en fait dans cette profession et voilà, ça c'est les choses les plus difficiles, je veux dire. Excellent. Et du coup, étant à Guam, on entend, c'est quoi ces animaux qu'on entend? Voilà, ce sont nos coqs sauvages. Donc Guam, c'est un peu comme la Corse. Il y a les montagnes, la plage, le soleil, l'eau est super chaude. Mais il y a la jungle et je m'attendais à trouver des animaux un peu plus étranges que des poules et des coqs. Et en fait, il n'y a que ça. Nous sommes envahis de poules, de coqs. C'est comme un emblème ici, on ne les tue pas, ils vivent avec nous et voilà, c'est nos animaux de compagnie. Ils ont une belle vie quoi. C'est ça. Donc tu t'en mords. Hey guys, if you're getting value from watching this video, go ahead and click that subscribe button and make sure you like the video. Alors Julie, quelles ont été des choses qui ont été avantageuses pour toi en tant que femme militaire? Donc, le premier avantage, c'est sûr, c'est l'assurance santé. C'est le même système qu'en France où, en fait, la Navy nous paye notre assurance santé et c'est sûr qu'elle n'est pas très chère et elle couvre absolument tout. Donc, ça, c'est notre plus gros avantage. Il y a aussi, en fait, la retraite. Donc, mon mari, au bout de 20, 25 ans de service, va pouvoir, en fait, obtenir une retraite qui correspond à peu près 60-70% de son salaire. Donc, c'est vrai qu'à 45 ans, il pourra profiter de la vie et on pourra enfin être stabilisé quelque part.
Et un autre avantage, c'est aussi pour devenir américaine. C'est vrai que quand je suis arrivée, on a pu demander notre green card très, très rapidement. Donc, au bout de 6 mois, j'ai eu ma green card et je suis devenue américaine après 1 an de mariage parce que nous partions à Bahreïn, qui est une zone de guerre. Et donc, j'ai pu devenir américaine très, très rapidement. Donc, il y a ces avantages pour faire partie de la Navy américaine, c'est sûr. Julie, je pense que, en fait, l'audience, elle aimerait bien vraiment savoir s'il y avait des petites astuces que tu pourrais partager, étant peut-être femme française ou juste femme mariée, du coup, à un militaire américain. Est-ce qu'il y a des petites choses qui aident à s'intégrer ou une astuce que tu pourrais partager? Ce que je recommande, c'est de faire partie des groupes Facebook militaires qui existent pour chaque État, chaque pays. Il y a à peu près une dizaine de groupes de femmes militaires ou même des groupes Facebook qui sont rattachés au bateau de nos maris. Donc, surtout prendre contact avec eux. Et il y a aussi un groupe Facebook pour les femmes françaises militaires aux États-Unis. Donc, allez le rejoindre aussi pour poser toutes vos questions parce qu'on est là pour s'entraider et qu'on sait que ce n'est pas facile. Mais il y a plein de belles choses aussi à découvrir en tant que femme militaire. Donc, il faut rejoindre tous ces groupes. Excellent. So, what do you think? What is your experience in the military and something that you might want to share or possibly questions that you may have pertaining to this video? Go ahead and comment in the comment box below. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. À très bientôt. Au revoir et à bientôt.